Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Cinquième et dernier jour de notre semaine express spéciale ventre plat. Et aujourd'hui, nous allons faire des étirements, bien étirer ses abdominaux, c'est important également. Allez, on se retrouve assis sur son tapis. Allez, on est assis sur son tapis, on met les mains derrière le dos. On se grandit, on serre le ventre, on baisse les épaules et on relâche. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas ses abdominaux dans le cadre du pilates ou du renforcement musculaire que cela veut dire que l'on ne doit pas serrer son ventre. Toujours, le ventre doit être serré matin, midi et soir. Allez, on se redresse. Vous allez tout d'abord ouvrir la jambe droite, ramenez votre talon vers votre pubis et posez bien le genou au sol. On se redresse, on va poser la main droite loin derrière, lever le bras gauche et incliner en ouverture à droite. Donc ici, on pousse le ventre vers l'avant sans creuser le dos et on tient la position. Toujours le ventre serré, on n'oublie pas. Allez, on tire, on tire, on tient. On revient, on va poser la main un peu plus près. Cette fois-ci, on va poser la main gauche sur le tibia et descendre vers la jambe tendue. Toujours le ventre serré. Allez, toujours, on va tenir la position. Vous pouvez relâcher, inspirer et souffler, redescendre un petit peu plus. Donc on inspire, on expire au niveau des côtes et on tient. Et on va changer de côté. On ouvre à gauche, on ramène à droite, on pose loin sa main gauche, on monte la main droite et on incline et on tient la position. Allez, on y va. Soufflez bien. Baissez bien vos épaules, tirez vers le plafond et vers l'arrière. Puis on revient, on met la main un peu plus près, la main sur le tibia et on descend vers la jambe tendue. Toujours le ventre serré, on inspire, on souffle par les côtes. Allez, encore, encore. On tient bien la position, sans forcer, sans à-coups. On souffle, on descend. Et on déroule. On vient en tailleur. Là, vous allez attraper avec la main gauche le genou droit, l'autre main derrière. Et on pivote. Et on regarde loin au-dessus de son épaule. Toujours le ventre serré, les épaules bien basses. Et encore une fois, on tient la position. Changer, on attrape son genou avec l'autre main et on pivote. Allez, on se redresse. Soufflez bien, toujours au niveau des côtes, ventre serré. Et on revient. Alors ici, vous allez poser la main droite sur le ventre, la main gauche dans le dos, paume vers l'extérieur. Et vous allez essayer de poser le coude droit au sol en regardant loin sur le côté. On ouvre ses épaules, on ferme ses omoplates. Allez, toujours le ventre serré. Tirez bien les coudes vers l'arrière. Et on revient, on change de sens, on met la main, l'autre main, donc comme ça, dans le dos, on se redresse et on pivote, on essaye d'aller poser le coude au sol. Allez, encore, tenez la position, coude vers l'extérieur, on souffle toujours avec ses côtes et on garde le ventre serré. Et on revient. On va passer sur le ventre.
Vous avez posé les coudes devant la poitrine, on serre le ventre, on serre les fesses, pieds au sol, et on va tirer sur la tête. On pousse les coudes dans le sol et on tire sur la tête. Sans casser ici, vous ne regardez pas le plafond, vous regardez loin devant, sans casser la nuque. Toujours le ventre serré et on tient. Puis là, vous allez décoller un bras, allez le chercher loin devant, sans tourner, sans ouvrir vos épaules, vous tirez sur le bras loin devant. Encore, on tient en position, n'oubliez pas de serrer votre ventre et toujours de serrer vos fesses. Allez, on étire tout le côté du bras, du côté des abdominaux. Et on repose, on change de côté, on inspire, on souffle, on tire. Et là, vous étirez ce côté-là des abdominaux. Allez, on tire, on tire, on tire. Encore, encore. Et on repose. Allez, soit vous restez à nouveau comme ça, en tirant la tête, les épaules vers l'arrière, soit on décolle les coudes. On souffle bien, on baisse ses épaules, toujours les épaules vers l'arrière. Toujours le transverse serré, les mains bien à plat au sol. Et on souffle. Et on tient la position. On repose doucement, on met les mains à côté de la poitrine, on décolle le ventre et on vient s'asseoir sur les talons. Et ici, on va étirer le dos, les abdominaux. Toujours le ventre serré, on tire loin devant ses bras, les épaules vers le sol et le nez dans son tapis. On ramène les mains, on déroule, on va resserrer un peu les genoux, je vais me mettre un peu plus au centre, on décolle les fesses, on se met sur les orteils, on va mettre les mains sur les talons et pousser le ventre loin devant. Allez, on tient, on relâche la nuque, soufflez bien. Puis on repose. Cette fois-ci, on va garder une main sur le talon, lever l'autre et à nouveau décoller et tirer, tirer sur le bras. Donc à nouveau, on n'étire qu'un seul côté. Allez, soufflez bien. On revient par devant. Et on va changer de côté. On attrape son talon et à nouveau, on souffle, on tire. Et sentez bien l'étirement ici au niveau de vos obliques. Et on souffle, on relâche. Allez, toujours les fesses décollées. Cette fois-ci, on va poser, alors pour que je sois dans le bon sens, on va poser une jambe devant. Vous allez pousser le bassin bien vers l'avant. Vous allez mettre le bras opposé à l'extérieur, paume de main vers l'extérieur, ouvrir le bras sur le côté, derrière vous, et aller regarder votre main. Toujours le ventre serré. Allez, on tient, on tient. Et on revient. On relâche ici et on va changer de côté. Hop, on met d'abord son pied. On pousse le bassin devant. On met de l'autre côté et on ouvre. Allez, on tient la position. Le ventre est serré toujours. Baissez bien vos épaules. On referme le bras, on revient et on ferme.
Allez, on va passer sur le dos. On attrape l'arrière des cuisses, on s'enroule tout doucement sur le dos. On va ramener les genoux à la poitrine, ouvrir les bras sur le côté. Et là, vous allez simplement poser les genoux d'un côté. Allez, on pose. Les genoux doivent être collés. Les épaules bien au sol. Puis on revient, un genou à la fois. On repositionne son dos et on part de l'autre côté. Allez, on serre le ventre. Les épaules basses au sol, genoux collés. S'ils ne sont pas collés, vous descendez ici vos pieds. Et toujours, on sent l'étirement dans le dos, dans les abdominaux. Et on revient, une jambe à la fois. On attrape ses genoux et on étire son dos. On pose un pied, on pose l'autre. Et ici, on va allonger une jambe, allonger l'autre. Et se grandir. On souffle, on plaque le dos au sol. Et relâchez le tout. Allez, on passe sur le côté ou on bascule et on se redresse. Et voilà, cette semaine express est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu de passer cette semaine en ma compagnie. Allez, la semaine prochaine, nouveau mois et je vous ai préparé de nombreuses surprises. On va se retrouver tous les lundis et les jeudis pendant 4 semaines pour préparer l'été ensemble. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse très fort.